Et bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard. Hein. Et du coup, rebonsoir les gens. Voilà, ça me semble être réglé. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est réglé. Le ping est plutôt stable. Ça a l'air d'aller. Du coup, eh bien, on se retrouve ce soir donc pour. Ouais, effectivement, croisé droit, tu m'étonnes. On se retrouve donc pour un petit BO3 qui opposera donc les Navi aux Dignitas. Nous sommes donc sur Cobblestone pour l'instant. On va se retrouver directement en 1v1, la bombe qui va s'accélérer, MSL qui va se décaler, MSL qui a bien joué le temps face à Sage qui ne pourra rien faire. On va revenir sur les maps juste après que la bombe est pétée. On a MSL qui va décaler au dernier moment. Il va tomber accompagné de deux CZ, mais du coup, bien 1 à 0 pour les joueurs de Nitas. Du coup, pour ce qui est des maps, donc nous aurons. Cobblestone, donc qui est la map d'Ednitas. Ensuite, nous irons sur Train. Et ensuite, si besoin, nous irons bien entendu. Enfin, nous irons eh bien, sur Mirage. Voilà. Je suis encore un peu sauté, je suis encore un peu en train de surveiller le ping. Alors que du coup, bien que Ednitas, on est parti directement sur un gros round d'achat avec quand même 3 à 4 sorties. Très rapidement, on avait sorti 2 PM et on a plutôt Edward qui vient prendre un bon kill. On a. Tanks qui arrive à une 2 à son tour. MSL va venir prendre avec son P81, double kill. Et ça va du 3v1, il ne restera donc plus que 16 tout seul au niveau de ce transit. Il a un Fast 7, il a un Kevlar simple, il a une smoke. Et il va se être repéré par Rubino. Alors pour parler un peu. Non mais en plus il va croiser MSL et il va venir le faire tomber tranquillement. Pour parler un peu donc des Nitas, on a vu des Nitas hier qui étaient. Qui ont joué contre les TSM et contre comment dire et contre les G2. Ça a été un poil plus serré contre les TSM. Ça a été contre les G2 aussi. Ils ont perdu 2-0 certes, mais la différence c'est qu'en fait contre les G2 il y avait Zonic qui était un bot total. Alors qu'on avait un Rubino qui était complètement chaud hier, hein, qui a fini à plus de 30 kills il me semble la deuxième map.
contre les G2, donc à voir si Nitas vont être capables de battre ces Navi alors que l'on a réuni, hein, c'était que Sèche qui vient prendre de bons kills sur Edouard en face, c'est des pouces sèches, il nous reste encore une petite tâche, on avait pris un ou deux pouces 50 mais rien d'incroyable, on a MSL qui vient prendre de bons kills sur Falmi, attention on a Sèche qui revenge sur MSL, du coup Sèche on va réussir à s'escape avec le P90. Alors qu'une pause va être demandée côté côté CT, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Un time out, d'accord, bah disons ce soir c'est vraiment la soirée là, ce soir les connexions elles vont super bien. Voilà, alors que du coup hein, le match est mis en pause. Et on va donc attendre la reconnexion de... Vous pouvez me le faire mettre les équipes ou mettre les Fnatic. S'il y a quelqu'un qui time out dans l'équipe, je ne saurais jamais qui c'est. Zeus, Zeus. Eh ouais. Qu'est-ce que je suis bon. Bah ouais, hier j'avais parié hein, Dignitas contre la G2. Voilà, Zonic, le bot qui a décidé que je devais perdre mon Awaboom. Heureux, c'est quand même dingue, hein. Ma fibre, je lui demande pas grand chose. Je lui demande, même si ça lui fait plaisir, si elle veut bouder ce soir, elle reste stable à 80 ms. Ça me dérange pas. C'est la fibre, elle veut bouder un peu. Bon, elle met un débit de merde. Mais faut arrêter, merde, putain, sans déconner quoi. Merci SFR. Hein. Douze mille cinq cent trente-neuvième essai, on réessaye.
Visiblement, ça a l'air de marcher. Je suis stable à 40. Non, non, le ping, je t'arrête à 45. Oh putain, ça monte. Ça a l'air de tenir sous la barre des 60. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un ping de 20 et là, ce soir. Ce soir, ça veut vraiment, vraiment, vraiment pas. Si, ça a l'air de se stabiliser, ça a l'air de se stabiliser. On va faire un essai. On va tenter, hein, on va tenter les choses. Non, bah. Attention, on est sous la barre des 20 ms. Sous la barre des 50 in-game. Je sais que ça a l'air de bien se passer. Pour l'instant. Je suis vraiment désolé de ce qui se passe, hein, les gens. Mais alors vraiment, je fais tout ce que je peux. Mais alors là, c'est juste incompréhensible. Il n'y a aucune raison logique à ce qui est en train de se passer en fait. Il n'y a absolument aucune raison logique. Écoutez, ça a l'air pour l'instant de se stabiliser. Si je recrache, bah c'est que je recrache et que voilà, c'est l'habitude. Donc on va essayer de caster un petit peu quand même, hein, malgré tout. Alors que du coup, donc, pour résumer un peu ça, Dignitas, donc, ont perdu sur les navires qui remportent avec 10 petits rounds au compteur. Dignitas, on vient de mettre le gunrun. Du coup, on peut partir sur un achat. On est passé en CT. Attention cependant, joueurs Navy qui vont se stacker. Au niveau de la de room, on va agresser. Alors que je surveille tout mon ping. Que le match a l'air de passer en AMSL avec son P90 qui va venir prendre double kill. Tanksy, Jarbai et AMSL vont se faire tranquillement sur les ordres. Safe. Et 2, c'est un perfect, on n'a pas perdu le moindre HP côté Nitas. C'était nul.
Déjà, je suis désolé de dire ça, mais c'était nul, 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 archi nul. Du coup, la bombe a été plantée au Gundron, et bien du coup, on va pouvoir simplement partir directement sur un move de full achat côté Navi. Avec 5 AK qui vont sortir, on va sortir quand même. Et bien, on va réussir à sortir 4 smokes, on va réussir à sortir 3 flash. Et on va partir sur un contrôle map assez classique côté Navi. La seule différence, c'est que, et bien, il n'y aura pas de stuff. Il n'y aura pas de stuff hein, pour en fait, mais du coup on va agresser Vanilla au niveau de cette agression, mais celle qui a été bien placée avec son P90, il va se tomber sous les balles de Flamion Taxi qui va venir prendre un premier kill sur Guardian. Attention, c'est du 4v4, l'avantage tactique, et pour les joueurs terreau, l'avantage des HP. Et pour les joueurs terreau, et l'avantage des armes, mais pour les joueurs terreau au final, hein, j'essaie de trouver un truc en protection, mais ça passe pas. Alors que du coup on a Zeus en parlant de protection qui va venir arracher le crâne. Plus que Gerbaï, c'est du 4v3, mais attention, on a Rubino qui peut faire très très mal. Rubino qui est extrêmement chaud ces derniers temps. Où il en est ce soir, Rubino? Ah, Rubino, c'est pas trop ça ce soir. Alors que du coup, par contre, un tank qui va venir prendre mon kill. Sur Sage, on a Rubino qui va venir prendre mon kill sur Flamie. Rubino qui va tomber sous le bas d'Edouard, Edouard le double kill. Et il restera donc plus que Tanksy seul en 1v2. Tanksy, il est un poil enfermé. Il va réussir à prendre le kill sur Zeus. 1v1 maintenant, il sait où est son adversaire. Il va malheureusement avoir le mauvais timing. Ah non, c'est pas grave, il a la bombe. Il a la bombe et je comprends pas le move, il reste 10 secondes. La bombe a largement le temps d'être plantée. Ce qui va être fait maintenant, la bombe va pouvoir être plantée côté Navi, oui. La bombe est plantée, on est très loin côté Navi et on va tomber sous les balles de Tanksy qui va venir mettre un quadra kill sur ce round 10 à 9. Ce round de ce premier round d'achat qui ne passe pas. Le Navi. On a certes planté la bombe. Mais je pense que ça ne suffira pas pour enchaîner directement sur un achat. À mon avis, on va quand même devoir passer par la case écho. Et si ça va suffire en fait, on va pouvoir repartir sur du full AK côté Navy. Avec un Edward qui va se trouver à 50 HP, qui va se trouver à 0 HP sous les balles, qui va tomber sous les balles de config. On va s'agresser au niveau de cette drop zone. On est assez à part rendre de kill, surtout qu'on a Flemmy qui va se trouver à 36 HP, on a 16 qui va lui se retrouver à 28. Et on a Guardian qui est en train d'arriver dans le dos de son adversaire, on a config qui va venir prendre sur Zeus. Config, le double kill sur Flemmy, Guardian qui revenge sur Tanksy. Et attention parce qu'il risque Guardian de croiser quelqu'un. Oh, j'ai eu un lag, j'ai eu peur. J'ai vu que c'était reparti. Ça me gonfle! F, du coup, 4v2. Attention, config très low HP de même Gerbaï et MSL sont instantanément one-shotables. Quel que soit l'un qu'il pourrait ramasser, même s'il y a de la K partout. Et on a Sage qui va venir prendre de bons kills sur config. Guardian va tomber sous les balles de Rubino. Il ne restera donc plus que Sage. Sage tout seul, Sage qui va croiser MSL au niveau de ce middle. Il va tomber sous les balles du joueur danois. 10 partout les Nitas qui reviennent à égalité, qui vont renvoyer normalement les joueurs Navy en écho. Et ça va permettre enfin aux Nitas de pouvoir repasser devant. Alors que du coup on va agresser assez rapidement au niveau de la Roman Taxi qui va venir prendre triple qui va finir quand même par tomber sous les balles de Flemmy, faut pas déconner, mais on a Gerbaï qui va revenir instantanément le faisant péter Kobe Bryant style et Gerbaï qui va venir conclure tranquillement. À 10, on a perdu qu'une seule arme sur cet écho côté C. C'est une bonne opération, cependant attention parce que là côté terreau, on a Guardian qui va sortir le premier AWP de ce second side. Parlez pas de jouer ce soir pour devenir méchant. Exactement ce que j'ai. Alors que du coup, hein, côté Navy, on va agresser Config qui joue très bien le coup en cross en 7 smoke au niveau de la terrasse du 5v4.
Très bon avantage pris par le genre de vitesse, il faut essayer d'agresser sur ce qui va venir tomber sous les balles. Il y a encore Edward qui va venir prendre le monkey sur MSL. 4v3, 4v2 maintenant avec Tanky qui va venir prendre mon kill sur Edward. Il ne ressort donc plus que Flamy et Guardian tout seul. Guardian qui va rater un stop, il va avoir un 3 HP, il va quand même réussir à prendre mon kill sur Gerbaï. C'est du 3v2, c'est largement faisable encore pour les gens du Navi, pardon. Du coup, il vient 2v2 maintenant. Oh, et Tanky qui va avoir le bon timing sur Flamy. Non, ça donc plus Guardian. Ce Guardian qui va tomber sous les balles de Rubino. On va choisir de ne pas ramasser la WAP côté CT. Alors que bien, on va mettre le 12e round. Les joueurs d'Initas qui sont pour l'instant imparables sur ce City Site, pardon, sans déconner. C'est monstrueux. Vous connaissez, c'est monstrueux. Ils viennent de mettre 7 rondes d'affilée. On sent les Navy incapables de percer leur défense. Alors que du coup, encore une fois, on est parti pour un stack à 4 en B côté Nitas avec Edouard qui va venir prendre le qui par contre surconfigure au niveau de cette longue B. C'est un poil chier quand même côté danois. Du coup, il vient 5v4 donc. On va commencer tout doucement à push côté Edouard. Sherbak qui va se faire boost, qui va venir prendre le kill sur Flamy, il va par contre être revenge instantanément par save. Voilà, c'est ce qui va venir prendre le bon kill sur MSL. Rubino qui va revenge depuis cet arbre. Sur Edward, c'est du 2v3, ça paraît compliqué. Guardian qui est très très bien placé. Guardian qui va avoir en plus un bon timing. Non, il va rater. Et il va prendre. Et Rubino va venir le faire tomber alors que du coup on est en train de diriger niveau ceci de bombe A. Et Tanky qui est extrêmement bien placé à la réception pour faire tomber la bombe. Et voilà ce qui est chose faite. Tanky qui va venir prendre le kill sur Sage. C'est du 1v2 maintenant. Il faut vraiment la jouer ensemble celle-là. Rubino qui arrive en soutien. On a Zeus qui va quand même réussir à récupérer sa bombe. Il va pouvoir aller planter, c'est hyper important pour lui de planter cette bombe. Voilà, quelque chose de fait maintenant. Ça va être compliqué par contre de défendre aussi de bombe. Zeus qui va en prendre un premier, attention. 1v1, Rubino n'a plus de coup. Petit HP, Rubino qui va venir tomber sous les balles de Zeus qui va venir faire ce clutch. En 1v2, ça a été mal joué de la part d'Initas. Et du coup, eh bien, 11 à 12. On brise le cycle couloir, attention côté Navy. On met enfin un round. Par contre, si on persuade, c'est de l'écho instantanément. Du coup, en côté Nitas, on a pu repartir sur du full buy avec tout simplement un full M4A4 plus pas mal de stuff. Et on a Flamy qui va venir prendre le bon premier kill sur Rubino. Rubino qui est pas à son top aujourd'hui avec Herba qui va venir prendre par contre un bon kill au niveau de Drop Zone. Sur Flamy, Confi qui va venir prendre double kill avec son M4A4 sur Guardian et sur Edward. Ça, c'est une très très bonne opération parce que du coup, c'est du 82 de Zeus. Seul Confi qui va venir prendre le triple kill sur 16 et il ne restera donc plus que Zeus tout seul au niveau de son UV. On va le voir du côté de config et on va venir le faire tomber. Voilà quoi, Drakil tranquillement fait côté config. On s'est fait son petit round pépère, un stand de tir, tout ça. Et du coup, eh bien, ça va faire 14. Enfin, ça va faire 13 à 11 et on risque de partir sur 14 à 11 vu qu'on va devoir passer par la case écho côté Navi. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire une écho sèche. On va sortir un Deagle, c'est tout côté Navi. Alors que du coup on va partir sur une agression assez lente et sur un contrôle finalement côté Navy malgré tout.
C'est qu'on est en écho quand on passait de l'achat, alors que du coup on a un cliqué à venir prendre mon premier kill. Sur Flaming, on devrait peut-être choisir d'agresser à plusieurs en même temps sur un joueur pour être sûr de prendre un kill, mais on préfère agresser chacun son tour. On a Superbike, 7 kills, pas très fort. Et Guardian qui va le laisser à 16 petits HP, mais Superbike va venir prendre mon kill sur Guardian Romino. Sur Edward, Romino, sur Zeus, et il restera donc plus que 6-6 tout seul. Avec son Eagle, il va rater un shooter par Romino. Il va prendre un premier kill, mais il va tomber sous les balles de Config. Alors Config va en profiter de même d'ailleurs pour annuler son kill en prenant un kill sur Sherbai. 14 à 11, les Dintas qui sont pas loin du tout de s'assurer le draw. Du coup, on a pu repartir sur un round d'achat des deux côtés. Et voilà. Non, c'est pas vrai. Bah écoutez, 30 ms, donc on va retenter, hein. On va bien voir. Alors que du coup, eh bien, les Dignitas se sont fait remonter, mais quelque chose de sévère, hein, tout simplement.
du coup, eh bien, on va devoir passer par la case Force Bike pour éviter de se prendre le draw côté danois. Et on va tenter de pousser Xerbai au niveau de cette drop zone. Xerbai qui va agresser, qui va prendre le kill. Non, qui va tomber. Il va le 16 dans le premier round qui se concentre sur Ibino MSL, sur Edward. Et 4v2, le drone qui devrait être assuré à moins qu'on ait MSL. Non, MSL qui va venir prendre, qui s'envoie, mais qui va tomber sous le balle de Zeus. Et il n'en sort donc plus que Tengsi. Tengsi, 1v3, tout seul, son PS50 dans les mains. C'est l'histoire d'un cowboy solitaire qui n'avait que son Glock dans les mains. Et quelques HP, et il va tomber sous les balles de Flemmy. 15 à 14, ça y est, le drone est assuré par les journées vite. Alors que du coup on va repartir de côté sur un round d'achat avec deux écoutes d'un stop double à WAP sortie. Zeus et Guardian pour les Navy évidemment, pas pour les Dignitas. Bino et MSL pour les Dignitas. En fait je trouve que c'est ça qui manque à ces nouvelles Dignitas. J'aime beaucoup les Dignitas, mais il en manque un vrai Whopper et c'est pas MSL hein, qui va faire l'affaire, très clairement. D'autant qu'on a Guardian qui va venir prendre le premier kill sur Rubino, du coup ça va être du 5v4. On va se booster, on a compliqué sur le point. Qui revient seulement sur Xerbai, compliqué par contre qui va venir en prendre 2. Et sur Guardian, et il n'en va pas donc plus que Zeus de sous-sol avec 40 secondes au niveau de ce site bombé. Zeus qui va venir en prendre un premier. Il va se diriger au niveau 7 drop zone et il va tomber sous les balles. De config 15 partout. Et bien simplement, on va pouvoir aller en overtime. Et pour la peine, je vais manger un Ferrero Rocher. Oh. Bon, du coup, on n'attend plus que les raids des équipes pour partir. Les Navy ont envoyé leur et on a Xerbai qui va demander une petite minute supplémentaire côté Dignitas. Donc, eh bien, vous savez quoi? On va lui laisser sa petite minute supplémentaire. Du coup, ça y est, hein, les ils sont call. On va pouvoir partir donc sur cet overtime. Ce sera du MR5 en 16. Je trouve vraiment surprenant sur un BO3, pourquoi pas. En général, sur un BO3, on a plutôt du coup du MR3 en 10K. Comme ça, c'est un peu plus rapide. Mais bon, c'est un choix. Alors que du coup, eh bien, 15 à 15, on le rappelle. Et Rubinho qui est déjà tombé. Ce fois, un balle de Flamey, c'est donc du 5v4. Avantage des Navy, on a Guardian qui vient de rendre le bon kill
sur MSL. C'est mis sur Tanxi. On a complètement craqué sur son côté d'Unitas là. Même pas la peine d'aller chercher ce là. C'est bon, on peut sauver ce round. Hein. Ça sert à rien de perdre deuxième 4-1. Du coup, en face, on n'a pas perdu le moindre HP. Et bien simplement, on va choisir d'aller chase. Bon écoutez, ça a pour l'instant l'air de refonctionner, donc on va tenter de continuer. Du coup, sur cet overtime, quatrième round enclenché 17 à 16 pour les Navy qui vont sortir un AWAP. On va sortir un Toto côté avec Scribino qui va sortir le Scarvin. De temps en temps, je check looping TS quand même, histoire que vous m'entendiez pas la gueule, parce que je plante au moins que vous m'entendiez pas et que ça vous maintenait les oreilles. Alors, comme ça, c'est venir prendre le point qui est sur Gwarden qui s'est complètement raté avec son AWAP. Du coup, eh bien, c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs d'Initas. On va pouvoir égaliser normalement côté danois.
Alors que du coup, Nathan, si qui vient prendre qui sur deux, je suis désolé, gens, c'est vraiment pas facile ce soir. Je sais pas ce qui se passe, c'est la première fois que ça me fait ça. Autant sur la durée, autant des fois ça m'arrive, de connexion, la connexion qui plante, qui crash, qui reboot. Ça arrive, mais alors là, ce soir, c'est juste insupportable, c'est infâme. J'ai envie d'aller dans une boutique SFR et de mordre un vendeur. Voilà. J'ai envie de mordre un vendeur, je sais pas, mais ça me détendrait. Du coup, bref, 17 partout. On va pouvoir repartir évidemment sur un round d'achat des deux côtés. On est sur le dernier round de ce premier side de l'overtime. Avec une Navy qui pour l'instant avec un bon side tout simplement. 2-2. De 2-2, c'est intéressant parce qu'on a vu que pour l'instant on était beaucoup plus solide en CT à chaque fois côté des deux équipes. Du coup, la Tintas qui met seulement 2 rounds en CT. C'est-à-dire que déjà s'ils mettent pas celui-là, ça va devenir compliqué. Alors, on va essayer si les Neige ils le mettent. On risque de se diriger très rapidement vers une seconde map. Et on va tout de suite ça avec Edouard qui va venir prendre le point qui sera avec notre sexy qui va remettre justement sur Edouard. Guardian, sexy. Guardian double kill sur Jarbaï. Et il restera donc plus que Config et Rubino. Oscar 20 et à la cave. On n'a plus que cette petite HP qui a tombé sous le bal Flamme. Il ne restera donc plus que Rubino. Rubino qui va cramer, qui va se faufiler au niveau du KGB. Il va trouver contact qui va tomber sous les balles de Flamey. 18 à 17 les Navy. Qui prennent l'avantage au meilleur des moments, ils n'ont plus que MR5, ça veut dire le premier à 6. Ils en ont mis 3, ils n'ont plus que 3 à mettre. Alors que du coup, en fait, il s'enchaîne de partir en full rifle, Guardian va évidemment sortir en AWAP. Et Guardian va se rendre compte qu'en fait, il n'y a personne, absolument personne niveau du site bombe A. On est en train de partir en full B côté terreau. Et ça y est, on va croiser les smokes, on va tenter d'agresser. On a qui va toquer, c'est Sharbay qui va venir prendre une sur Edward. On a Flemmy qui revient, on a Zeus qui va venir prendre une sur Sharbay. 83, Tanxi qui va venir prendre la bonne des 400 3v2 maintenant, Tanxi qui va venir prendre une sur Sage. On a Guardian qui arrive en deux qui prend les questions d'exertion, c'est du 2v2 maintenant. C'est largement faisable. Oh l'erreur de Guardian qui se white lui-même complètement et du coup 18 partout. On donne l'égalisation au Dignitas. Une grosse erreur de Guardian qui a complètement fail son stuff. Du coup, on va repartir évidemment sur un round d'achat. Attention, les soldes de CPL qui vont être envoyés sur le site bombé. On va déclencher avec Edouard qui va s'amuser à la place qui vient faire entendre l'équipe. Ce config Edouard qui va rentrer par contre sous les balles de Rubinus, c'est du 4v4 maintenant. On a souvent pu passer sur le site bombé. Qui va venir prendre un kill sur Tengzi avant de se remettre forcément par Rubino. Mais Zeus qui va se filer qui va venir prendre un bon kill sur Jarbaï. Je pense qu'ils ont vraiment oublié Zeus qui va venir prendre un bon kill sur Rubino. Et Zeus qui conclut tranquillement sur MSL 19 à 18 pour les Navy. Allez, on peut s'assurer déjà le prochain overtime en mettant ce round. Côté Navy, c'est pas compliqué, il y a un petit round à mettre pour s'assurer, quoi qu'il arrive. Au moins le second overtime. Et ça va se passer très mal se passer pour les Nitas qui vont venir perdre Jarbaï directement sous les balles de Guardian. Ça va donc être du 5v4. On a Zeus qui va prendre le coup, c'est du 5v2. On a Config qui va remettre sur Zeus, mais c'est ce qui remet instantanément sur Rubino. Rubino qui va en rater. Et MSL par contre qui en prend deux. Non, c'est Config qui prend le deuxième, pardon, tant pour moi. Du coup, c'est du 2v2. Avantage donc.
des Navy qui restent encore Guardian avec son AO Guardian qui vient prendre kill sur MSL. Et du coup, il ne restera que Config qui va venir faire péter Guardian. C'est du 1v1 maintenant. On sait pas que Config est sur le 6 bombes. On va mollo pour 159. Et on va complètement se rater du côté d'Edward. C'est Config qui va venir prendre le kill 19. Partout égalisation du côté des joueurs d'Initas. On est sur un match hyper serré, c'est assez hallucinant. Après du coup, on a Guardian qui vient de se faire bailler, on a Flamie qui va enchaîner Guardian sur Config, Sage sur Rubinho, il ne sort donc plus que MSL. MSL qui va se faire arracher le crâne par Guardian, c'est un perfect sur ce round. 20 à 19, on va pouvoir assurer le 25 quoi qu'il arrive maintenant. Côté Navy, un round à mettre, on va pouvoir repartir sur un achat sans problème. Hein. Côté Dignitas, je pense que ça me semble légèrement compliqué. Alors que du coup on va partir avec un contrôle directement au niveau du musée et du site bombé, on veut pas. On se précipite pardon pas tant que ça au niveau du site bombé. Alors qu'on a Guardian qui vient prendre un bon premier kill sur MSL avec son apogée au cette drop zone, c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Navy pardon. Alors que du coup on a 16 au niveau 2 par minute, donc qui va venir en prendre un, qui va venir en prendre 2 sur Config et sur Rubino, c'est du 5v2, ça me paraît légèrement compliqué. Bon, Gerba qui en plus va avoir le bad timing. Non, il va réussir à prendre qui sur Guardian. Edward sur Taximi, il restera plus que Gerba complètement sacré. Gerba qui va tomber sous les balles de Zeus. Du coup, victoire sur la première map 21 à 19. Nous étions, on le rappelle, sur la map des Dignitas. On va marquer une page de publicité pendant ce soir. Je vais essayer de régler mes problèmes de ping. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la map des Navy, c'est-à-dire Train. À tout à l'heure, les gens. Ciao, ciao!
Terroristes win.
Et re-bonjour à toutes et à tous, désolé pour le petit retard, vous avez eu deux rounds tout seul comme des grands, c'est parce que je suis en train de régler mes problèmes de connexion, hein, pour que vous le savent.
J'avais des gros problèmes de connexion en début de soirée. C'est pas top, mais pour l'instant ça a l'air d'être stable au moins. Donc c'est ce qui compte. Oui, j'ai hésité aussi. Dimislan, elle est morte dans un gars de chez SFR. J'ai vraiment hésité, hein. Je me suis retenu toutes mes forces. Alors que du coup, eh bien 3 à 0 pour les Dignitas qui sont sur le CCT de cette map de trade. On rappelle, c'est la map des joueurs Navy. On va du coup partir, hein, sur un round d'achat face à une écho des Navy. On continue de checker le pick assez régulièrement.
Oh, miracle, 30 ms, incroyable! Mon Dieu, mais non.
Et re-bonsoir à toutes et à tous. Enfin, ça a l'air d'aller. Enfin, ça a l'air de tenir pour l'instant. Du coup, eh bien, on est sur la troisième map de ce BO3, on le rappelle, entre les Dignitas et les Navy. Désolé hein, pour ce qu'il s'est passé. Mais ça a l'air d'être fixé. Hein. Je pense que c'est fixé. Je ne veux pas m'avancer, mais. I believe. J'ai le believe, hein, comme on dit. Et du coup, ben, pour filer un coup de main, j'ai Rico qui est gentiment et gracieusement venu dépanner. T'es là, mon cher Rico? Eh oui, je suis là, j'espère que vous allez bien. Bon. Super soirée. En gros, sur un BO3, j'ai gaspé 5 rounds. Ah, très bien. Ah ouais, non, c'est incroyable. Vive SFR, wouhou! Non, j'ai connu ça, mais je pense que c'était plus du jeu qu'autre chose. Ah, ça arrive de nos jours. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de très marrant. Voilà, c'est un passe-temps comme un autre, je veux dire, qui n'embête personne et qui est vraiment parfaitement constructif. Et voilà, que je comprends parfaitement. Je comprends ce choix de faire ça comme activité le soir. Bref, du coup, un partout. Première map remportée par les Dignitas sur Cobblestone après overtime. Le score exact, je ne me rappelle plus, mais c'était un MR5. En... 21-19. Voilà, je le savais, c'est pour ça que tu suivais. Ensuite, deuxième map remportée. Vas-y, tu suis ou Par quoi? les Navy, Voilà. sur Train, 16-9. Bien. Et du coup, bien, on est sur Mirage. C'est la troisième map de ce BO3. Et qui est-ce que tu vois remporter cette map? Personnellement, je dirais les Navy, parce que c'est une map très forte des Navy. Mirage. Ah bah c'est pas leur plus forte, mais quasiment, hein, ils sont très très bons dessus. Donc à voir maintenant, hein, peut-être que les Dignitas peuvent retourner la situation. Mais ça n'empêche que je vois bien les Navy remporter ce BO3. Bon à voir, hein, à voir qu'est-ce qu'on est le knife round. Hein, si les Navy commençaient en CT, ça serait pas trop mal pour eux, je pense, hein, clairement. Maintenant, il faudrait que les Dignitas, eux, commencent en CT pour tenter de. Il vient de contrer directement ses navy. Explore map. Je ne dirai rien. Je dirai rien parce que je vais aller. Je te jure, je vais faire. Je vais mordre un vendeur. Bon, très bien. Pas de soucis. C'est la première fois que ça me fait ça. Je comprends pas. Ouais, bizarre. J'ai battu Dignitas, mais ils en lose face à SK. Et bien. Très très bien. Alors que du coup, hein, le knife round va pouvoir commencer. Voilà, hein, les K qui s'en va et qui revient. Ça s'en va et ça revient. Du coup, eh bien, le knife round qui est lancé. Et pour l'instant, on n'a pas envie d'y aller ni d'un côté ni de l'autre. Pour l'instant, on se met en ligne du côté des Navy. Et c'est Sayce d'ailleurs qui va prendre le premier kill sur Rubino. On est donc déjà en 5v4. Guardian et Edward qui tranchent dans le vif du sujet. Jerbai qui va faire tomber Guardian. Tenski sur Flamy. Et ça sera les seuls kills de pris par les Dignitas. Les Navy qui vont donc pouvoir stay en CT. C'est bien, j'ai une vitesse de time out qui est tellement impressionnante qu'en fait j'arrive à revenir avant que TS ne comprenne que j'ai time out. Et du coup, quand je reviens, j'arrive à entendre quand même que quelqu'un dans mon channel qui a time out. Alors que c'est moi qui time out. C'est mal. Non, c'est bien, c'est festif, C'est honnête. c'est moderne, c'est design, et c'est casse-couille surtout. Je Avec peux l'accent, comprendre. j'arrivais pas avec l'accent, mais l'idée est là. Du coup, eh bien, le Knife Round a été gagné par les Navy. Les Dignitas qui ont sorti 3 Kevlar, un Tech-9 dans les mains de Config.
et un peu de stuff dans les poches d'MS. Alors qu'on va déclencher directement sur le site Bombe B. Et c'est Xerbai qui va prendre le premier kill sur Edward. Sazed qui va revenge sur MSL. On est donc en 4v4. Xerbai qui va faire tomber Sazed. Attention, hein, Guardian qui est en train d'arriver dans le dos. Il a un P2000, on le sait, très puissant avec. Cependant, c'est Tensky qui va le faire tomber. C'est déjà du 4v2 à l'avantage des Dignitas. Normalement, le premier round qui devrait partir pour les Danois. Exactement, à moins que Zeus et Fleming sortent en exploit monumental. On a Zeus qui va venir prendre un premier kill. On a Zeus qui n'en prendra pas deux. Il va se faire scotcher à l'étagère. Fleming, 6 HP. Fleming, une petite vingtaine de balles. Ce sera pas suffisant, à mon avis, pour sortir en AV2. Il va tomber, voilà, sous les balles de Tensky. 1-0 pour les Dignitas qui remportent ce gun round. Qui vont du coup pouvoir partir sur un achat. Les Navy vont partir visiblement sur un force buy avec Sazed qui va sortir directement un scout. Est-ce qu'on va choisir d'en sortir un deuxième? Non, on va pas choisir d'en sortir un deuxième. Tandis que de l'autre côté, eh bien, on est parti directement en full rifle, on déconne 0 côté Dignitas. Là c'est 3 AK, 2 KS direct, on s'en fout du stuff, on y va YOLO et on cale les têtes à la puissance de jeu. Attention quand même, hein, Guardian a un Deagle, on sait qu'il peut faire du taf avec. Mais celle qui va faire tomber Zeus déjà au niveau du connecteur, on est donc déjà en 5v4. Sazed qui va coller le HS sur MSL. 4v4, attention, c'est totalement jouable pour les Navy. Voilà, Edward qui va faire tomber Config, Rubino sur Flamey. 3v3. On a l'avantage des armes du PD Dignitas. On n'a pas un seul stuff. Si, on a quand même une smoke hein, dans les mains de Xerbai. Guardian qui va coller le one ball sur Rubino. Eh bien, c'est du 3v2, 2v2, Tensky sur Guardian. Edward qui a tenté d'arriver par derrière, c'est Xerbai qui va le faire tomber et Sazed qui se retrouve tout seul. 1v2, 55 HP sur Xerbai, Tensky 100 HP. Alors qu'on va ça va être compliqué à mettre là pour ça va être compliqué à mettre pour Sazed dans autant que Xerbai il peut le faire tomber. Non, autant que Xerbai il peut pas le faire tomber, mais il aurait pu le faire tomber, autant ouais, Tanky c'était quasiment impossible, alors que du coup on s'y retrouve à 55 HP. Mais attendant, ça fait 2-0, ça va faire 3-0, hein, vu qu'on va devoir passer par la case éco-sèche ou presse. On va sortir juste deux petits P de 50 du côté de Zeus et d'Edward, et de Guardian. Alors qu'en face, eh bien ça y est, hein, MSL a choisi de sortir le Mac 10 pour se faire un peu de thune. Salut moi Rico, juste petite question. Les Envy, donc NIS, tu vas comprendre ce que je veux dire. Les Envy ont KNIS, les Fnatic ont JW, les Navy ont Guardian, et ils ont qui pour rivaliser avec ça, les Dignitas? Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais. Bonne question. Parce que je sais que MSL prend la WAP. Ouais. Il est pas mauvais avec, c'est sûr. Mais c'est, je trouve que c'est un peu le même problème que Smith, voire même en pire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un AWPer qui est bon, hein, mais qui ne peut pas rivaliser avec les autres grands AWPers. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment pénaliser une équipe sur le long terme? De pas avoir un vrai AWPer qui est capable de faire des énormes différences monstrueuses avec des clutches, etc. avec son AWP. Bonne question. C'est clair que l'AWP est un élément extrêmement important. Dans une équipe, et une équipe, plus la WAP est meilleure, plus l'équipe va pouvoir être offensive en attaque et défensive en défense. Ouais, c'est un peu con ce que je viens de dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense que ça peut être pénalisant, surtout face à des équipes comme les Envy ou face comme une équipe contre les Navy. Alors que pour l'instant, eh bien, on est en 4v3 à l'avantage des Dignitas. 3v2, bombe posée. Les Navy qui ont un peu de mal hein, sur cette troisième map. Exactement, mais surtout on a des Dignitas qui sont très très chauds, qui mettent les décals à l'instant. Et du coup, il reste plus que Edward tout seul en AV3, il a pas de kit. Donc quoi qu'il arrive, il pourra malheureusement déjà plus tenter cette retake, c'est déjà trop tard. Il va peut-être avoir un bon timing, il va réussir, je fais le bon timing. Sur Tanksy, il va prendre cet exit frad et puis il va se barrer le plus loin possible. Non, je pense qu'il va essayer d'attendre un petit peu en embuscade pour essayer d'aller récupérer Naka. Pas sûr qu'il ait le temps. Non, il aura pas le temps d'aller récupérer Naka. Du coup, ça fait 4-0 pour les Dignitas qui sont extrêmement bien lancés sur le hard side de Mirage au final. Du coup, côté Navy, on va devoir repasser par la case Echo.
Normalement, si mes calculs sont bons, on pourrait, quoi qu'il arrive, ressortir au moins un AWAP, enfin au moins dropper un AWAP côté Navy dès le prochain round. Mais je sais pas, là, les Navy. Comment dire? Je suis toujours en train de te dire que les Navy peuvent le faire, mais je sais pas, je trouve que. En fait, mis à part le point faible de la WAP, je trouve que ces nouveaux Jinxas sont vraiment très très bons. Config est monstrueux. Tanksy est plutôt régulier. Rubino est un monstre. Deux games sur trois et la troisième game, il est juste très très bon. Et Xerbai est pas mauvais du tout. Xerbai est en train de tranquillement prendre un rythme assez intéressant. Donc je trouve qu'au final, à part le fait qu'il n'y a pas d'AWAP, ces Jinxas sont vraiment en train de devenir bons. Alors que du coup, eh bien, on va mettre la Tech Office. Et faudra peut-être arrêter de se balader un peu et aller diffuser la bombe, vu qu'on n'a pas de kit, hein, du côté Edward. Voilà. Edward qui va faire un quadrakill avec son M4. Edward qui a été monstrueux sur le round avec la M4 qui la save. Effectivement, hein, juste impressionnant le bon Edward, Sayce, qui aura réussi à prendre un kill sur un joueur qui avait un seul HP en fait. Mais très très bien joué de la part d'Edward. C'était assez impressionnant. Très très bonne reprise de sa part. 4 à 1, Echo Fist de la part des Navy, comme tu l'as dit. Et la WAP qui est sortie, tu l'as dit, tu l'avais annoncé tout à l'heure. Elle est sortie dans les mains de Guardian. Il va la jouer au niveau des appartements B. Et c'est vers lui que c'est en train d'arriver en plus. Oh, il va la jouer agressif en plus, il va venir faire un premier kill. Est-ce qu'il a réussi à s'escape? Je suis plus sur sa vue. Au secours. Il va réussir à s'escape. Non, il va pas réussir à prendre un troisième. Un peu greedy quand même là, un peu greedy. Il va aller se sentir ça par contre. À 17 petit HP, c'est Tanksy qui a trouvé très low HP. Attention par contre, à 2 au niveau semi-dole, il va avoir le bad timing. Et il va réussir à prendre un kill sur Rubino. Et du coup, c'est du 5v2 Tanksy. 17 HP, config 100 HP. Du coup, ça devrait faire le 4 à 2. Bah alors, dis-moi, est-ce que t'es plus ou moins d'accord avec moi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure ou. Bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. Non, ces Dinitas sont très très bons, hein. C'est vrai que. Mais c'est vrai que les Dinitas ont toujours eu une bonne équipe, mais qui avait toujours des soucis. Alors que là on a Tanski quand même qui vient de prendre un double kill. On sait où il est et c'est Zeus qui va le faire tomber. Ouais non, c'est Dinitas qui sont bons, hein, clairement. Clairement. Qui ont un bon jeu d'équipe. Qui font de bonnes agressions, qui ont de bons stuff, qui ont des bonnes stratégies. Et après ça c'est le truc qu'on dit à chaque fois, hein, les Dinitas peuvent aller loin. Mais à chaque fois, ils n'y arrivent pas en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais bah, ils n'y arrivent quoi pas. Moi, je vais te dire, je pense personnellement, j'étais à la tête des Dignitas. J'aurais dit, sans vouloir être méchant avec lui, hein, genre j'aime beaucoup, mais j'aurais dit MSL, tu sors et on garde Pimp. Plutôt que de sortir Pimp et de garder MSL. Ça, j'ai pas trop compris le choix. Du coup, ça fait simplement qu'il n'y a plus d'AWAP chez les Dignitas. Et je pense que pour moi, une équipe ne peut pas se passer d'un bon AWAP. Un bon AWAP, c'est juste essentiel si tu veux aller loin dans la scène CSGO. Enfin, en scène pro, CSGO évidemment. Et le problème, c'est que là, ils en manquent et du coup, ben, ça va les pénaliser. Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, mais à force, sur les gros événements, et ben, ils vont finir par se retrouver être complètement pénalisés à simplement ne pas pouvoir lutter à armes égales avec leurs adversaires quand il y a des maps comme D2, etc. et qu'il faut des très bons AWAP. Et ben, on n'aura pas. On pourra pas challenge du Kenny, on pourra pas challenge du JW, du Guardian, du Peter, du Skadoodle, etc. Ah non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est-à-dire, bah bon, Skadoodle, tu vois qui pour remplacer Shengares, toi? Bonne question. Je suis très peu la scène américaine, parce que j'ai pas vraiment le temps. Et sincèrement, je ne sais absolument pas. Alors que du coup, revenons quand même un peu sur la game. 5v5, 4 à 3, les Navy qui sont en position de recoller au score quand même. Exactement. Si réalise map, il y a un AWAPer chez Dignitas, c'est MSL qui prend le rôle d'AWAPer, mais c'est pas un AWAPer à la Kenny, à la guitare, c'est pas un AWAPer principal, c'est pas un mec qui est main AWAP et qui te dit le mec quand il prend la WAP, il peut faire une différence. C'est le genre de mec qui dit ouais bah écoute, il arrive à prendre quelques kills à la WAP. Il est pas mauvais à la WAP, hein, c'est sûr, non, il est même plutôt bon, mais tu sais quand je le vois jouer, mais
tu le sens pas capable de gagner des vrais duels sur la durée avec des vrais AWPers. Du coup, eh bien, 3v2 MSL 16 HP Rubino 89. On va lancer la reprise du côté des Navy. Ça devrait pouvoir se faire. Attention, cependant, il faut pas tomber bêtement du côté ukrainien. Du côté de l'équipe ukrainienne plutôt. Voilà, Flamiker prendra la tête de Rubino et de Zeus sur MSL. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est propre. 4-4, les Navy qui reviennent au score. Du coup, 4 à 4, nouveau round pour les Dignitas, enfin nouveau round pour les Navy, nouveau round d'armée pour les Dignitas, 4 à 4, 5 à 4 quand même, Tatsuki qui va acheter. C'est vrai que là il faudrait quand même peut-être avoir une AWAP pour contrer celle de Guardian, Guardian qui fait énormément de dégâts, hein. On l'a vu sur deux rounds d'avant, triple kill, on le voit, on l'a vu sur le round de, juste avant. Un kill, mais il était bien présent. Guardian d'ailleurs qui a fait tomber Jabai, Tenski, Rubino et Tenski sur Zeus, Flammy et Guardian. Justement, il reste Seize et Edward en 2v4. Ça devrait partir pour les Dignitas. Les Dignitas qui n'ont pas envie de laisser les Navy prendre l'avantage. Exactement, et du coup, ouais, la bombe est lancée sur B, ça va être compliqué. Enfin, sur A, pardon. Ça va être compliqué pour Rotec parce qu'on est sur B justement. Bah, on va peut-être prendre l'exit frag, oh là là, on a des bad timings, en plus c'est KMSL qui va venir prendre un bon kill sur stage. Edward sur MSL. Et tu vois c'est ça par exemple, regarde. On a un AWP gratuit côté côté Dignitas. Et personne ne le prend. On ne le ramasse pas. On ne le ramasse pas. Il y a Rubino qui l'a pris dans les mains quelques secondes et puis au final on lui a dit bah écoute, ouais non, c'est pas la peine, etc. Sauf qu'en attendant, Guardian, normalement, il va pouvoir en ressortir un. Voilà. Il va ressortir un AWAP. Et du coup, bah, il n'y a personne pour venir le contrer. Et du coup, MSL, il se retrouve au Galil. C'est très con à dire, hein, mais au Galil, bah, il serait fait dropper un AWAP à la place. Ça aurait pu tout changer. Enfin, on aurait eu un AWAP à la place d'un Galil, ça aurait pu tout changer. Arrête que le round va passer pour Etnitas, attention. Je dis pas qu'ils peuvent pas le mettre. Cependant, c'était Revenge Instant. On a Gordon qui a pris le clip sur Bino, mais c'était Tenxi config qui revient justement. Et on a Edward qui sur MSL. Zeus sur config. Mais voilà, il n'y a pas ce. Tu sens pas qu'il peut y avoir cet appui, ce bonus avec, avec un AWAP. Alors que du coup, on a Edward qui va venir prendre le bon kill. On va récupérer la K et on réussira pas à récupérer. Par contre, cette fois-ci, côté, côté Navy. Du coup, bien, ce round-là, il va être en full rifle côté, côté CT. Effectivement, ah, on va passer par la case force buy. C'est ça, on va forcer du côté des Dignitas. C'est un choix intéressant dans le sens où ils ont déjà 5 rounds. On a envie de mettre des rounds encore du côté des Dignitas, mais c'est assez étrange. Voilà Flammy qui va faire tomber MSL. On a la bombe. Flammy qui va prendre son double kill sur config. Jarbai et Tenski sur Flammy et Zeus. Tenski, un one ball du futur Odigal. Et on est donc en 3v2, Rubino sur Edward. Guardian à 16, tout petit HP. Seized à 100. Il va falloir la tenter quand même du côté des Navy. Il faut pas se prendre ce force buy, clairement. Ouais, mais le problème c'est qu'il va passer à moins que Seized nous fasse un explorer 1v3, il peut. On va voir qu'il va la caler sur chaque joueur. Il va en caler une première sur Tanksy. Il va mollo, il va prendre le kill sur Jarbai. Il a un kit, il a une smoke, on a Ninja. Mais non. Et Rubino qui a la ligne parfaite, il a le viseur à la hauteur parfaite. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Ah ouais. On a lâché la M4 en se disant bah je vais passer sur la case, ça va la ramasser. Et non. Bon, mauvais moment. Et du coup, voilà. Et du coup, bah tout simplement. Non mais c'est même pas ça, c'est pas c'est pas mauvais moment, c'est qu'il a lâché beaucoup trop tôt. Enfin. Non, quand tu sais que c'est que quelques très courtes secondes, contrairement au MM, tu. Enfin, je sais pas, tu ramasses ton arme avec tes actions. Tu jettes pas ton arme comme ça, parce que du coup, là, c'est. Enfin, certes, on peut racheter. Mais attention, parce que ça c'est le genre de truc qui peut coûter cher au round d'après, tu vois. Là, ils ont de la chance que ce soit une écho. Parce que du coup, ils vont pas perdre d'armes. Une arme à la limite. Non, même pas. Ils vont pas perdre d'armes. Ça doit être un petit perfect. Ça aurait été un round d'achat,
ça aurait coûté très 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 cher comme erreur. Effectivement. Mais du coup, eh bien, 7 à 5, les Dignitas qui sont en passe peut-être de remporter le premier side. Les Navy qui ont du mal sur ce side CT1. Guardian qui arrive à prendre des kills, mais il a pas tout le temps la WAP. C'est Dignitas qui les joue très très bien, c'est Navy sur ce premier side. Guardian cependant quand même qui est présent sur config. 5v4 à suivre. Rubino à 6 HP, Guardian 12 HP lui. Ce qui va d'ailleurs terminer Rubino. On est donc en 5v3. Attention, on pourrait quand même tomber rapidement du côté des Naïfi. Par contre, on en joue extrêmement agressif hein, du côté justement du côté CT. C'est Ide qui sera avancé au niveau des appartements B. Mais c'est qui va faire tomber Playmi. Ide sur MSL et la bombe qui est perdue dans ce middle. J'étais en train de chercher une blague par rapport au Navy qui joue agressif. J'ai trouvé plein de blagues un peu. Oulala. Non. Mais on va pas les faire. Je suis sûr qu'en plus c'est un motif pour que ma connexion me lâche. Exactement. Et c'est toi qui va terminer sur Tatsuki. Ouais, non, ouais. Du coup, on a récupéré. Bah, on a gardé la WAP, on a ramassé une AK. Et on a Edward qui est aussi chaud que Tengsi. Hein. On a un joueur dans chaque équipe qui est très chaud. C'est Edward qui carry pour les Navy en 16-8. Et il y a Tengsi qui lui répond parfaitement en 16-8 aussi. Et puis voilà, après ça tombe directement. On a Rubino qui est pas mal en 18. Alors que regarde côté Navy, ben, au final, c'est très 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 limite. Hein. On a quasiment tout le monde qui est en négatif. Oh là là, on a Rubino qui va allonger les têtes directement dans la smoke avec Joss et Flemmy qui vont tomber. On a Guardian qui va quand même assez revenge. Sur Tank 6, c'est du 3v4, c'est faisable, c'est largement possible. Voilà, retake là, même si Guardian n'arrive pas à toucher malheureusement en random smoke. Et du coup, eh bien, ça va faire, à mon avis, 8 à 6. On va, je pense, aller écho. Donc on est. Non, c'est moi, je suis en train de se faire encercler. Est-ce qu'on l'attente? Oui, on l'attente, hein. On sait pas trop, hein. On sait pas si on peut l'attenter. Edward qui va prendre la de Rubino, quand même. On va réussir à le faire, les Guardian sur MSL. La bombe qui commence à s'accélérer. Config qui va prendre le double kill sur Guardian et Sazed. Edward oh là là. Sur Gerbaï et Config le triple kill. Et il survit. Et il survit. Et très très survit. Bien joué de la part. Oh mais Config, c'était juste monstrueux ce clutch qu'il vient de nous faire là. C'était juste monstrueux sur un V3 qui a été parfaitement géré et extrêmement mal géré de toute façon aussi côté Navy. On allait se donner en sachant qu'il y avait un AWP qu'on pouvait save, en sachant que derrière on fait un écho, et surtout en sachant qu'on a beaucoup trop hésité, du coup c'était trop tard hein, pour retake, faut dire ce qu'il y a, c'était beaucoup trop tard, il n'y avait pas de kit. Du coup ça fait 8 à 6, le premier stage va s'envoyer la remportée par les gens de Nitas. Les gens de Nitas d'ailleurs qui devraient normalement prendre ce 9 à 6, à moins d'un force by kit, ce qui me paraîtrait légèrement peu probable. Effectivement, les Navy qui la jouent très très tranquille hein, ce premier side. C'est assez étonnant de ce qui va tomber sous les balles de Tatsuki et du coup on est en 4v2, 9 à 6, dernier round de ce premier side. C'est étonnant de la part des Navy à voir ce qu'ils vont nous sortir du côté bien des terreaux. Exactement, alors qu'on a Guardian qui va venir prendre un premier qui se fait attention, Guardian 1v3, est-ce qu'il peut nous faire un exploit? On n'a pas vraiment compliqué surtout qu'il tourne le dos à un adversaire. Et de toute façon c'est Rubino qui va se booster, qui va lui arracher le crâne. 9 à 6 pour les joueurs danois sur ce premier side. Va clairement falloir surveiller côté Navy et mettre ce round. Alors que j'ai pas vu les odds, mais oh là, 71-29, il y en a qui doivent être en train de se faire plaisir là. C'est comme si je t'avais montré Rico pour le match LG contre Envy. Il y avait un gars qui avait fait deux bêtes à. De 4 knives à 75$ sur les LG. Ah oui, il s'est fait de l'argent. Ah, du coup, on va faire un petit tour du côté du scoreboard quand même. Du côté des Navy, on a Edward qui nous fait du 18-2-10, Guardian du 12-5-11, Zeus du 7-6-11, Sage du 10-0-14 et Flamey du 6-2-13. Et du côté des Dignitas, s'il te plaît. Et bien, du côté des Dignitas, on a Tengsi qui carry en 18-3-10. Ensuite, on a Confi qui tombe directement en dessous. Entre guillemets, tombe. En 12-3-10 aussi, 13-3-9 pour Rubino. Ensuite, ça tombe par contre là vraiment
On passe en négatif avec du 8-11 pour Sherbaï et du 8-13 pour MSL. Au final, un joueur qui arrive réellement. Et puis les 4 autres sont. Bah, c'est mine de rien, c'est pas dramatique quoi. Il y a un peu moins de kills qui sont pris. Mais voilà, on a Tactique qui est beaucoup trop chaud. Double tête à l'USP tranquillement, c'est le joueur qui fait du jeu de papa. Rubino qui va venir prendre la tête sur Guardian. On est complètement encerclé. Sherbaï qui prend le kill sur Flamey. Et il restera donc plus que Tactique au niveau Tactique qui va quand même réussir à prendre la kill sur Zengzi. Au niveau la fire rate. Enfin, grâce à la fire rate et MSL qui va venir le calmer tranquillement. Double kill pour Taxi, un pour MSL, un pour Sherbaï, un pour Rubino. C'est parfait, 10 à 6. On est vraiment dans la merde côté Navy. Effectivement, hein, c'est étrange. 10-6. Normalement, eh bien, voilà, le 11 à 6 qui devrait être joué. Le 12 à 6 qui devrait passer en faveur même des Dignitas. À moins que le Force by Fist des Navy passe. Mais. Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre. On va partir sur une petite CPL en A. Alors, José Z, juste pour te répondre, pourquoi il rage BPB à part comme ça, c'est une strat à la Navi. Ils le font très souvent sur Mirage lorsqu'ils sont en CT. Non, en terreau. Voilà. Et vu qu'ils le font très souvent, bah forcément, ça marche. Jamais. De moins en moins. Voilà. Alors que du coup, hein, on dit toujours qu'il faut varier les plaisirs. Sinon, on finit vite par tomber dans la route. Et continuez dire, on vit dans la routine avec MSL qui va venir prendre le point de kill sur Guardian, sans enchaîner, on a deux qui va commencer à prendre le kill sur Turbine, on a 7 qui va rester à prendre le kill sur MSL, on a Xerbaï qui revient sur Flamey. C'est du 3v3 sur les amis, on a Xerbaï qui va venir prendre double kill, Xerbaï triple kill. Voilà, il reste plus qu'Edward seul avec son Famas au niveau de ce test. C'est rien du tout, Xerbaï qui va lui jumper dessus et lui arracher le crâne, quadra kill pour Xerbaï. Voilà, on disait qu'il était un peu rentré, bah écoute, finalement il est remonté, voilà 13-11, ça s'est très rééquilibré. Bon, plus qu'MSL, MSL s'il peut nous prendre un double ou triple kill sur ce round, ça peut être sympa. Histoire voilà, de bien rééquilibrer tout et qu'il nous fasse bien mentir quoi. Effectivement. 11-6, 12-6, normalement à la fin de ce round, on va sortir quand même 2 P250. Je sais même pas si on y croit hein, sur ce round du côté des Navy, on a juste envie de faire tomber quelques armes et puis jouer le round suivant qui sera extrêmement important. Hein. 12-6, si on le perd, c'est le 13-6. On sera en écho, ça sera le 14-6. Ce round est primordial. Bah, le round suivant sera primordial. Flamey qui a quand même fait tomber Rubino. Et ça semble être le seul kill qui sera pris par les Navy sur ce round. Mauvais écho. Mais c'est le qui a fait tomber Guardian. 12-6. Des Navy qui sont dans le mal. Exact. Non, attends, j'attends juste que mon ping se fixe avant de commencer à dire quelque chose. Voilà, du coup, ouais, non, mais je comprends pas, j'ai la fille. Purée, bon. Très bien. Au revoir. nouveau round. Premier round armé de ce deuxième side. Edouard qui va déjà prendre le kill sur Tenski, hein, qui s'était boosté au niveau du pont BPA. Zeus qui a performé le Dino, MSL sur Zeus, Flamey. Sur MSL, attention, c'est du 4v2, il reste Xerbaï et Config. Sazed! Sazed! Il était censé checker le DF, hein! Xerbaï qui va donc le faire tomber sans souci. Sur Xerbaï, et il ne reste plus quand même que Config. Config qui va tomber, voilà, sous les balles d'Edward. 12 à 7, les Navy qui mettent le premier round d'armée. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Du coup, et dans le chat, ça s'énerve contre Sage. Je peux comprendre, les gars. Les gens. Du coup, et eh bien, écho à suivre à part des Dignitas. On va quand même sortir du Deagle, du CZ. Même 4 Deagle et un CZ. Bah, attention, hein, on sait que ça peut partir très très vite. Et voilà, Tenski qui va prendre la tête d'Edward. Cependant, il va tomber instantanément sous les balles de Guardian. MSL sur Guardian. Attention, c'est du 3v2 à l'avantage des Navy. Xerbaï et Config. Xerbaï qui va prendre la tête de Zeus sans souci. Et du coup, 2v2, la bombe qui est posée
sur B et on va la tenter du côté des Dignitas. On n'a rien à perdre. Jarbaï qui a une AK quand même. Je sais pas si ce serait une bonne nouvelle, une bonne idée d'aller la perdre. C'est ce qui va faire tomber Config. Jarbaï sur Seized. Et Flamey qui est bien positionné. Bon écho hein, de la part des Dignitas. Et c'est Flamey qui va faire tomber Jarbaï. 12-8. Ça reste à l'avantage des Dignitas. On va pouvoir racheter d'ailleurs du côté des CT. Et on va sortir la WAP du côté de Guardian. La WAP aussi du côté d'MSL. Alors que c'est Guardian déjà qui va prendre le premier kill sur Config. Config qui avait décidé de sauter hein, au niveau des appartements B. De montrer son co. Et c'est Guardian qui le fera tomber. Donc un coup d'AWAP. 5v4 déjà à l'avantage des Navy. Et ce qui va décaler MSL, MSL qui ne pouvait strictement rien faire, hein. Il était au bout de l'underpass, il ne regardait même pas au bon endroit. 5v3 et les Navy qui recommencent à nous sortir un jeu Navy, tout simplement. Edward qui va prendre la tête de Tusky, et bien c'est du 5v2. Les Navy qui sont en train, tout doucement, de dérouler leur jeu sur ce round. Jarbaï et Rubino qui sont totalement bloqués. Rubino qui est au niveau de l'underpass. Zeus qui est bien positionné au niveau du connecteur, mais ça ne sert à rien, son adversaire est dans son dos. Et l'autre joueur, c'est Rubino. C'est Jarbaï qui va être au niveau du palais. 12-9 en faveur des Dignitas, mais les Navy qui sont en train, tout doucement, de remonter. Jarbaï qui va faire tomber Zeus, Edward sur Jarbaï. Et Rubino qui va réussir quand même à économiser la WAP. Petite question donc de Lorenzo. Question le prochain round, si les Dignitas perdent, ils vont en écho. Oui, ils n'auront pas assez d'argent. Le cycle écho loser n'est pas encore là. Il leur manque encore 3 rounds. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Navy égalisent pour entrer en cycle écho loser. Ce qui serait clairement pas une bonne nouvelle pour eux. On rappelle que le cycle écho loser, c'est Dignitas. Enfin, des DCT, plus généralement, et totalement foireux. Voilà. C'est ce qui va prendre la tête, le kill plutôt. Sur Config, on est déjà en 5v4. Et c'est Rubino qui va garder la WAP. Très bien. MSL qui va prendre le kill sur Flamey. Et du coup, eh bien, on est en 4v4. Il faudrait quand même pas le perdre, hein, ce round du côté des Navy. Ça serait totalement destructeur. Edward qui va prendre la tête de Rubino alors qu'on est en train de partir pour une agression au niveau de ce Sibon bébé. C'est ce qui va faire tomber Tensky. Tensky qui ne pouvait strictement rien faire. Hein. Et il ne reste plus qu'MSL et Jarbaï. MSL qui va tenter de décaler au niveau de la corniche. Mais Guardian était là avec son AWAP. Jarbaï qui se retrouve tout seul. Il a la K. In the Navy. Exactement OTC. Jarbaï qui va faire tomber Zeus et du coup il va tomber sous les balles d'Edward. 12-10, les Dignitas qui sont en train de se faire remonter. Et comme je le disais tout à l'heure, oui effectivement hein, c'est Edward qui est le top fragger. 25-4-14, mais de toute façon Edward ces temps-ci il semble plutôt très très chaud en fait. Donc bon. Ah, salut Nathan. Enfin, salut Yukio. Alors que du coup, eh bien, nouveau round. Round d'achat de la part des Dignitas. Si on le perd, c'est encore une écho qui se profile pour eux.
Et où est-ce qu'on va partir d'ailleurs du côté des Navy? Gerbaï qui est en train cependant de prendre une excellente information, il voit qu'il n'y a personne dans le palais. Et on commence à se douter que ça pourrait être du B. Le stuff va les confirmer, va le confirmer. Et la rotate qui est déjà en train de se faire, hein. Il va y avoir 4 joueurs sur le sideband. Eh bien, c'est le cas à faire tomber Edward. Mauvais contrôle hein, de la part des Navy. Il fallait mettre un joueur dans ce palais pour ne pas laisser l'information au Dignitas. Zeus qui va faire tomber MSL, Jabai sur Zeus. On est donc en 4v3. Il reste moins de 30 secondes maintenant à jouer. Et est-ce qu'on va réussir à planter cette bombe? Fensky qui va faire tomber Sage et Config sur Guardian. Excellente défense de la part des Dignitas. Très très mauvaise agression de la part des Navy. Nouveau round, on va ressortir une AWAP du côté des Dignitas, MSL encore une fois. Attention, cependant, voilà, MSL qui va prendre déjà le kill sur Edward, Rubino sur Flamey. Guardian sur Tenski. Attention, c'est du 4v3, on sait que les Navy peuvent encore le faire. Guardian qui est encore debout. Alors, Nathan, juste pour te répondre rapidement, je les trouve bons, mais ça va, j'ai l'impression que ça va faire à chaque fois comme pour tous les Dignitas. C'est joli sur le pied, ils sortent de belles choses, mais au mauvais moment, et ensuite ils s'écrasent totalement. Du coup, 4v3. Les Dignitas qui sont en passe, et eh bien. De mettre le 14-13, voilà, mais celle qui va faire tomber Guardian, qui va gagner son duel face à Guardian, ce qui n'est absolument pas normal. Zeus qui va s'avancer et qui ne va absolument pas checker que Jarbaï, Sazed sur Rubino, et c'est MSL qui a terminé sur Sazed, 14-10. On n'a pas une thune du côté des Navy. Si on force, on prend le risque eh bien, de perdre la map dès le round suivant. Si on ne force pas, on laisse le draw assuré aux Dignitas. Et ça va être le draw pour les Dignitas. Quasiment à coup sûr, à moins que Sazed et Zeus. Ceci dit, Guardian et Flamey aussi ont sorti des Deagles. Mais Sazed et Zeus, avec leur Kevlar et leur peu de stuff, est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? À voir. Alors que du coup, on va partir sur un gros rush. En B, Config qui a fait tomber Zeus, Tenski sur Edward. Et j'ai crash. J'ai crash, désolé les gens. Et il semblerait que le streamer aussi est crash. Bon. Bon. Ouais, ne vous inquiétez pas, on revient de suite. Du coup, je suis revenu, les Dinits ont gagné le round en étant 3v2 à l'avantage des Dinitas. C'est ce qui va totalement se louper sur Gerbaï et c'est fini. Guardian qui se retrouve tout seul. Bon, ben... Voilà. Et voilà, Rubino qui va le faire tomber. Une mort bête pour Guardian qui a mal joué. Une map bête pour les Navy qui l'ont mal joué totalement. Du coup, eh bien, c'est la victoire des Dignitas 2-1 face aux Navy. Très très bien joué de leur part.
Enfin, veuillez excuser Dwayne qui a eu quelques soucis, hein, comme il a dû vous le dire. Du coup, streamer. De cas, tu es là? J'essaye. Bon, ben, sache que le match est fini. Ah. Voilà, 16-10 en faveur des Dignitas. Voilà, c'est bah GG aux Dignitas qui auront su encore remporter un match qui était à la base où ils étaient à la base encore une fois donnés comme outsider. Ça fait un peu mentir sur le fait par rapport à ce qu'on disait par rapport à MSL, mais dans l'ensemble je maintiens quand même. Je maintiens quand même que malheureusement sur de la LAN, sur du gros event, ça pourra pas continuer comme ça. Il faut qu'ils se trouvent un AWPer. En attendant, bah du coup navré à tous ceux qui ont suivi les deux premières maps et qui ont eu trois rounds castés. Merci à toi quand même d'être venu sur la fin, Mais de rien, vraiment. de rien. Parce que là, c'était juste plus possible. Visiblement, ça a l'air de s'être réparé tout seul parce que visiblement, j'avais un driver qui avait dit, oh, un driver de ma carte Wi-Fi qui avait dit, oh, j'en ai marre, moi je me casse. Donc, voilà. Et du coup, merci aussi à Luna, à la régie. Et on va marquer une. Non, bah non, on a plus de match après du coup. Non, effectivement, hein, vous pourrez retrouver donc Universe sur le match suivant de la Fragbite, mais pas sur ce channel. Ça sera sur eh bien Clan Mystique tout seul pour eh bien le gagnant de DSK Gaming contre les G2 face au DND. Exactement, voilà, merci à toutes et à tous. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un petit coup à Univers, n'hésitez pas à aller voir un petit peu le match, ça promet un match assez intéressant. Maintenant, on vous fait de gros 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 bisous et n'oubliez pas, c'est un jeu. Alors, jouez bien, ciao! Ciao les gens!